Bonjour, c'est un plaisir de vous retrouver avec un format un peu différent. Je vais essayer de profiter de l'hiver aussi pour faire des vidéos en me promenant, pour expérimenter encore cette liberté de la balade tranquille en montagne. Et aujourd'hui, pour revenir sur un point qui me paraît vraiment très important, qui est basique et qui pourtant est essentiel et qu'il faudrait vraiment que nous gardions en tête en permanence, surtout à l'époque actuelle où on parle de crise politique de santé, crise sanitaire. C'est la différence fondamentale qu'il y a entre l'âge biologique et l'âge chronobiologique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, je vais vous citer une étude dans laquelle on montre, à l'évidence, hein, que ben, ce qui concerne par exemple le virus actuel dont on parle tellement, le Covid-19, eh bien, l'impact, hein, de ce virus, c'est-à-dire l'expression symptomatique relative à une personne qui est exposée à ce virus, va être déterminée beaucoup plus par son âge biologique que par son âge chronobiologique. L'âge chronobiologique, c'est simple, c'est l'âge que tu as. C'est-à-dire qu'on ajoute des années, on ajoute des chiffres, 1 plus 1 plus 1 plus 1, et ça fait notre âge chronobiologique. On va dire que tu as 60 ans, tu as 70 ans, tu as 80 ans. Et en fait, ce que nous dit cette étude, c'est que finalement, c'est pas tant l'âge chronobiologique qui détermine un petit peu ben, comment nous allons réagir à ce Covid, mais c'est l'âge biologique. Et l'âge biologique, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est l'état de notre terrain, c'est notre état de santé. Le problème, c'est que souvent, on associe un âge biologique, c'est-à-dire l'état de notre terrain, notre état de santé, l'état de dégradation, à un âge chronobiologique. On dit, oh, il a 70 ans, donc son âge biologique est de 70 ans. Mais ça, c'est pas inéluctable. Les deux ne coïncident pas obligatoirement. Et pour avoir fait moi des tests dans lesquels on essaie d'estimer l'âge biologique, ce qui n'est pas aisé, hein, parce que ça revient finalement à estimer l'état du terrain, l'état de santé d'une personne, l'état de vitalité d'une personne. Ça prend en compte tous les paramètres du terrain, hein, c'est-à-dire ben, l'hérédité, la vitalité à un instant donné, les ressources micronutritionnelles et nutritionnelles qu'il y a dans le corps et l'état d'encombrement par les déchets. Hein, donc voilà, il faut arriver à estimer tout ça. On a des critères, on les a vus dans cette série de vidéos sur le terrain. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on peut voir au fur et à mesure qu'on améliore son état de santé, eh bien, un décalage se faire entre âge chronobiologique, qui lui continue à avancer inexorablement, 30, 40, 50, 60, 70 ans, 80 ans, et puis un âge biologique qui peut non seulement arrêter d'avancer et même régresser. Hein, moi, je me suis amusé à faire des tests comme ça d'âge biologique dans lequel j'avais 25 ans d'âge biologique. Et c'est vraiment extraordinaire parce que c'est vraiment ça qui va déterminer la symptomatologie particulière quand on parle du Covid-19, mais c'est la symptomatologie quelles que soient les conditions. Et c'est bien ça qu'on a complètement oublié. Il n'y a aucune inexorabilité dans ce qui nous arrive. Quand on rencontre un virus qui se balade dans notre environnement, ce virus est une information. Et ce que nous dit cette étude, qui est l'évidence même, c'est que la façon dont notre corps va réagir face à cette information est dépendante de l'état du terrain. Et l'état du terrain, c'est notre responsabilité. C'est-à-dire que c'est pas, ouais, mais tous les petits vieux, finalement, ils vont finir en urgence de respiratoire à cause du Covid. Non, c'est pas vrai. En fait, ça va vraiment dépendre de l'âge biologique. Il y a des gens qui seront pas tout à fait, qui seront pas vieux et qui vont y aller simplement parce que leur terrain biologique, leur âge biologique, ben, est extrêmement avancé parce que, ben, ils n'ont pas pris soin de leur terrain, parce qu'ils n'ont pas pris soin de leur santé. Et c'est vraiment là où se situe le point d'achoppement. Et c'est là où on va voir si finalement, notre monde est capable d'entendre et de réagir. C'est-à-dire qu'actuellement, la politique qui est adoptée est une politique, pour moi, immature, dans laquelle finalement, on ne veut pas voir le message qui nous est transmis par ce virus. Ce virus, il nous envoie une information avant tout, il nous dit « Moi, je suis là pour que vous puissiez voir qui a un terrain qui est en bon état de santé et qui ne l'a pas. » Parce que ceux qui ont un terrain en bon état de santé ne vont pas présenter ou très peu présenter de symptomatologie. Et ceux qui ont ce qu'on appelle des comorbidités, on sait très bien que les personnes qui présentent des troubles déjà de type Alzheimer, diabète de type 2, hypertension, troubles cardiovasculaires et ainsi de suite, vont être des personnes qui vont présenter des symptomatologies lourdes allant jusqu'à ben, au risque de mort physique avec le coronavirus. Donc, est-ce qu'on entend ce virus pour ce qu'il veut nous dire?
c'est la vraie question et c'est le vrai challenge auquel on est confronté. Donc, si vous regardez ces vidéos, j'imagine que vous avez peut-être commencé à expérimenter, à mettre en place des réformes simples de votre hygiène de vie, parce que c'est juste le propos qu'on partage ici. Réformer son alimentation, son rythme de vie, son niveau de stress, ses relations aux autres, et faire en sorte que notre niveau de santé, eh bien, s'améliore. Eh bien, un niveau de santé qui s'améliore, c'est un âge biologique qui diminue. On rajeunit littéralement. Et c'est ça qui va faire vraiment la différence. C'est-à-dire que c'est là vraiment, je vous dis encore une fois, c'est là où vraiment se situe le challenge. C'est-à-dire que si on comprend que ce virus, coronavirus, ben, tout le monde va le rencontrer. Tout le monde, absolument tout le monde. C'est parce que tu mettras un masque, tu ne vas pas le rencontrer. Tout le monde va le rencontrer. Ce qui va faire la différence entre les personnes, c'est qu'à cette information, puisqu'un virus n'est qu'une information, c'est-à-dire qu'il n'a pas de potentiel à lui-même, hein, il va venir s'associer à un organisme vivant, eh bien, à cette information, comment est-ce que tu vas réagir? Comment est-ce que ton corps va réagir à cette information nouvelle qui lui est apportée? Et ça, c'est uniquement déterminé par l'état de notre terrain, par notre niveau de santé, par notre âge biologique et non pas notre âge chronobiologique. Voilà. Et ça, c'est vraiment, je crois, la seule information qu'il faudrait qu'on retienne. C'est occupons-nous de notre âge biologique. Occupons-nous de, finalement, ce qui va être réellement déterminant quand il s'agit de parler de santé. Quand il s'agit de parler de santé, ce qui est pas déterminant, c'est le fait que l'on rencontre ou pas ce virus, qu'on se protège contre lui. Non, parce que c'est pas déterminant, puisqu'on sait très bien que tout le monde va le rencontrer. Donc, c'est pas là-dessus qu'il faut jouer. C'est crétin, on perd de l'énergie, on perd du temps, ça n'a aucun sens. Mais ça, c'est une logique qui vient un petit peu de l'héritage mal compris certainement ou très instrumentalisé de Pasteur, dans lequel on est toujours en train de regarder à l'extérieur en blâmant le microbe, le virus, la bactérie, enfin voilà, tout ce qui est, hein, et en ne jamais s'intéressant à notre terrain. Alors c'est bien par un certain côté parce que c'est, comment dire, ça n'a jamais de fin. Ça n'a jamais fin, parce que si tu ne t'intéresses pas à l'état de ton intérieur, finalement, tout virus, toute bactérie, tout micro-organisme dans l'environnement va être problématique en tant que tel dans les réactions qu'il va générer sur ton terrain. Et donc finalement, tu passes ton temps à essayer de supprimer des symptômes, hein, de les amoindrir, de les neutraliser, de les mettre sous cap d'une certaine manière. Et ça, effectivement, ben, ça nourrit un système de la maladie. Je veux dire, voilà, vous connaissez mon approche. C'est pas pour stigmatiser quiconque, mais on est dans un système de la maladie, de la culture de la maladie, qui génère du profit sur la maladie, qui prospère sur la maladie, qui est organisé autour de la maladie, qui est un système de gestion de la maladie, qui n'est pas un système de santé. Et la véritable problématique à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui, ben, c'est une problématique de santé. Quel est votre âge biologique? Et qu'est-ce que vous pouvez faire aujourd'hui pour rajeunir biologiquement? Eh ben ouais, hein, parce qu'aujourd'hui, vous allez prendre un jour de plus sur l'horloge chronobiologique, mais peut-être que vous pouvez prendre un jour de moins sur l'horloge biologique. Et ça, ben, ça dépend uniquement de vous et de vos choix. J'espère que toutes mes vidéos sont là pour vous inspirer à faire des bons choix en termes de santé, d'hygiène de vie, pour vous encourager chaque jour à quelque part remonter le temps de l'horloge biologique. Hein, là où on vous dit finalement c'est foutu, de toute façon on vieillit, c'est normal avec l'âge, mais dire non, c'est pas normal. Moi je prétends que dans 5 ans je peux être plus en forme que maintenant. Moi je prétends que dans 5 ans je peux avoir un moral, un physique, une créativité qui est meilleure que celle que j'ai aujourd'hui. Et ça, c'est vraiment le défi de la vie. Et je peux vous dire que la vie, quand vous la mettez au défi et que vous jouez carte sur table avec elle, en connaissant les règles du jeu, eh bien, elle vous le rend au centuple. C'est tous les propos de mes vidéos, c'est tout le propos du challenge sociétal auquel nous sommes confrontés actuellement. Et je vais vous faire une petite confidence, il ne faut pas se leurrer, il ne faut pas attendre d'un système qu'il se réforme lui-même en allant contre ses intérêts. C'est-à-dire que la seule personne qui pourra changer la donne, c'est moi, c'est toi, c'est nous, c'est vous. Il n'y a que nous, il n'y a que par nous que ça va pouvoir passer. Il n'y a que, c'est pas à nous de réclamer qu'on nous donne de la santé, c'est à nous d'aller la chercher en se responsabilisant et en prenant les bons choix pour nous, pour nos proches et en suivant le chemin de la vie. Je vous souhaite une bonne régénération, j'espère que ce petit format de vidéo vous aura plu. On en fera d'autres, bien sûr, avec classique, mais moi ça me permet aussi de me promener un petit peu et de profiter. Regardez ça, on est avec les brebis là.
dans cette belle montagne, je crois que vous les voyez là, tout le petit troupeau de brebis, il y a les premières neiges qui sont tombées sur les cols pyrénéens, là juste au-dessus de moi. C'est un vrai bonheur d'enregistrer cette vidéo. Et là, je me dis, finalement, en l'espace de 10 minutes de vidéo, ah, j'ai peut-être gagné 15 minutes d'âge biologique. Et je vous remercie pour ça. Bonne régénération.